Camera qui peut choquer manier, moi de tout corps dans l'île Maurice et dans le monde. Donc nous le mardi 8 août 2023 aujourd'hui. Là, moi d'un petit poc à côté de là où je suis, donc Stockholm. Et ce qui est bien ici, déjà Mokave comparé avec la France. Allez, nous faisons une petite comparaison avec la France vite fait, à chaud. Ma première impression de Stockholm et de la Suède en général, d'après ce qu'ils m'ont trouvé. En fait, il y a un monde de différence avec la France. Ça saute aux yeux tout de suite. Déjà sur la propreté de Stockholm, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Très propre. Très propre, dans une porc, tout ça, c'est propre, c'est entretenu, c'est propre. Et comparé à la France, aux rues de France, ça n'a rien à voir. Pour être là depuis quelques jours là, et allez, une petite parenthèse un peu dégueu, mon père trouve une crotte de chien sur la rue. C'est incroyable. Je me suis promené les chiens, mais je pensais que j'étais dans le civisme. Et j'étais beaucoup plus civique que civil. Montrer le civisme que les Français. Parce qu'en France, franchement, les rues sont dégueulasses dans les grandes villes. Certaines villes font exception. Ouais, quelques villes, mais la plupart des villes sont dégueulasses en France. Sur la propreté, tout ça, c'est franchement, comparé à ici, ça n'a rien à voir. Donc déjà sur la propreté, un grand plus pour la Suède. Deuxièmement, pour l'attitude des gens, déjà retrouver ça aussi c'est différent. C'est peut-être une culture nordique. Ben Jimon, retrouver cette entre guillemets cool, hein. De se poser, d'être cool. C'est aussi différent de la France, cette partie-là. En France, tu sens les gens un peu stressés, un peu, tu comprends, c'était un peu, on va parler, mais c'était un peu un but de leur personne, quand même, un peu, des fois. Peut-être c'est ça, mais c'est un peu comme ça. Ici, les gens sont plus cool, plus relax. Et oui, ce qui est important aussi, c'est que le Suédois, en fait, la France, me pensait, c'est un pays qui est trop manqué par l'insécurité, par des problèmes sociaux, par des problèmes de délinquance, même pas un problème comme ça, qui fait que y a des gens qui sont sur leur qui vivent à chaque fois. C'est-à-dire ici tu sens pas ça. Ici les gens sont pas stressés. J'ai pas cette impression. Les gens sont tu vois dans le, comment on appelle ça, body language, langage corporel, les gens sont relax, sont calmes, c'est vraiment incroyable. Moi, quand on compare ça avec la France, mais ça saute aux yeux. Hein. Et voilà, ça c'est deux premières impressions que j'ai de la Suède. Il y a, voilà, mais c'est comme ça, c'est ma première impression. Moi, je vis beaucoup l'année en France, et comme on compare ici, comment commencer, déjà, c'est beaucoup plus positif, nous qu'à dire, globalement. Donc, moi, un conseil, moi, un Mauricien qui a envie d'immigrer, etc., qui a envie de quitter, je peux quitter Maurice, je peux aller même, moi, j'ai envie tout du monde. Résident Maurice, nous construit nos pays, nous fait nos pays, vine comment ici. Il y a un pays bon vivre, quand les gens sont civilisés, quand guillemets, tout ça. Maintenant ici, tu rencontrais même tu cavales dans un magasin, tu cavales quand tu allais, tu trouves un ben, immigré sorti Somalie, sorti Érythrée, mais tu trouves ben, travail, puis faisait la vie bien ici. Hein. Donc Maurice, malheureusement, nous. Un pays, enfin la France, n'oubliez la France est un pays un peu à part. Mais Maurice, nous avons fait un pays, un pays bon vivre, que tout le monde a l'avenir dans ce pays-là.
Nous sommes capables de faire lui, nous sommes capables de faire lui. Nous sommes pas capables de dire des fois, mais oui, nous allons dans le pays. Ok, tu as vu une reste la Suède, mais ça jamais pour ton pays. Jamais pour ton pays. Tu es toujours un étranger, entre guillemets. C'est comme ça, tu veux comprendre? C'est pas notre culture, c'est pas notre façon de vivre. C'est un beau pays, ouais, mais c'est un autre peuple. Pareil pour la France, c'est un autre peuple. Anglais, c'est un autre peuple. Donc, le mieux, pour moi, qui me pensait, c'est nous faire Maurice un endroit qui est bon pour vivre, qui nous capable de l'avenir. Et moi, me pensais, nous sommes capables de faire ça. Ça pour prendre beaucoup, beaucoup d'années, car ça pour prendre des dizaines d'années, vous ne pas connaît, hein, mais nous avons besoin de mettre en place tout un cadre qui a fait nous avancer. Et que la Suède, dernière affaire, moi j'ai envie de dire, la Suède c'est un pays bien libéral et que la on va dire, le relation avec la religion, tout ça bien distancé. Et comme on m'a dit dans une vidéo, le plus grand problème à Maurice, c'est nos bonnes traditions qui dépassaient nos bonnes religions, voilà le communautarisme, tout ce qui est religion, tout ça, l'islam, l'hindouisme, le catholicisme, c'est très très dépassé. Ici c'est un pays qui à la base c'est un pays protestant et qui vient d'un pays vraiment libéral, que l'approche, la relation avec la religion est distanciée. Mais tu trouves ça déjà dans les Suédois, c'est une personne qui voilà, je te focus sur la vie. Déjà, je te fier de ce pays. C'est qu'il y a bien un grand pays comme ça, avec des endroits somptueux. Donc, ça moi, j'ai envie de dire, les amis, capable de bien faire lire, ma génération pour bien faire lire. Après, nous ne pouvons pas prendre les autres générations qui peuvent faire ça. Ok, pour jeter les bases, pour que l'île Maurice avance, vienne un pays où il faut être bon vivre. Ok les amis, moi les autres, moi les autres, maintenant, ciao, passez une très bonne journée. Bye.